Et salut à tous, c'est Alex et Queen, et j'espère que vous allez bien, parce que moi, de mon côté, ça va super. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué, je ne ferai pas une vidéo de Lego, mais bel et bien une vidéo de bricolo, quoi. Donc, comment attraper des abeilles, des guêpes, même si perso, je préférerais que les abeilles subsistent. Des abeilles, des guêpes, des frelons... Tous les petits trucs qui peuvent vous déranger, mais principalement les guêpes et les frelons seront attirés par ça. Au moins les abeilles et aussi pas mal les mouches. Donc voilà à quoi ça ressemblera une fois fini. Donc désolé en fait, j'ai eu l'idée de le faire, mais après voilà, je l'ai fait. Et du coup, après l'avoir fait, j'ai eu l'idée de vous montrer comment faire. Bon, donc en fait, le principe c'est simple. Vous avez une bouteille. Je fais pas du placement de produit, voilà. Bon, vous avez une bouteille. Hop, comme ça. Donc, au départ, elle est comme ça. Et mince. Voilà, bouteille qui ne tient pas. Pas grave. Donc, et le but, ça va être d'en faire un récipient à toutes les petites bêtes qui vous en bêtent la vie. Hein. Voilà, on va rester poli. Donc, vous allez voir en fait, on va mettre de l'eau et du sucre, mais là je vais pas le faire. Parce que perso, j'ai pas de sucre sous la main. Donc, on peut mettre aussi de la bière, du vin blanc, parce qu'en plus ça attirera pas les abeilles. Voilà, on peut mettre même des dés de sucre. Et voilà. Mais surtout, ne mettez pas de la citronnelle, elle déteste ça, voilà. Donc, c'est simple, c'est vraiment très simple. On va prendre notre bouteille, on va prendre un ciseau, ou un couteau même, ou même un cutter. Donc, au départ, c'est comme ça. Et on va, donc vous allez couper autour. Bon bref. Et donc il vous restera ça avec normalement le petit bouchon et le fond de la bouteille. Donc vous allez poser ça comme ça. Bien, poser ça comme ça, voilà. Donc, ce sera comme ça. Elles vont descendre pour essayer d'attraper le sucre ou l'eau sucrée, et normalement ils vont pas trop réussir à remonter. Donc ça va se passer comme ça. Donc si par exemple vous voulez, excusez-moi, voilà, je suis passée devant l'objectif. Alors voilà, je vais vous poser contre mon lit parce que je fais la vidéo de ma chambre. Donc moi perso, j'ai pris des ficelles si vous voulez l'accrocher, avec du scotch pour essayer de pas trop se couper. Aïe. Donc voilà. Après, un stylo. What? Pourquoi il a un stylo? Donc vous demandez ça. Et ben juste parce que ça va être plus pratique pour agrandir les trous que j'ai fait là. Je sais pas si vous voyez bien. Donc que j'ai fait au ciseau, voilà, dans lesquels on va faire passer. Voilà, j'ai bien massacré la bouteille. Donc il faut impérativement, donc voilà, faites comme ça, hein. On rend plus vite à la vie. Donc il faut impérativement que les trous soient alignés, comme ça la ficelle passera bien mieux. Donc on fait pareil de l'autre côté, parce qu'une ficelle, si ça peut tenir la bouteille en entier, c'est pas mal. Voilà, comme ça, c'est parfait, c'est trop mignon. Donc là, on va avoir donc notre
truc, on prend de la ficelle, c'est vraiment pas extraordinaire, hein. Ficelle, même si vous avez un câble ou un truc comme ça, ça marche très bien, très très bien. Mais anticipez pas mal la longueur au cas où vous auriez, je sais pas moi, des arbres dans votre jardin assez épais. Donc, dégage. Donc, j'ai pris toute cette ficelle. Voilà. Ça va suffire large. Et on coupe. Voilà. On peut passer dans les trous. C'est en train de commencer à me gonfler. Voilà. Comme ça. Si vous voyez très bien, ah ok, méthode préhistorique. Ouais. Donc, ça donne ça. Voilà, donc comme ça. Ça vous fait un joli petit saut attrape ouais. Par contre, je vous promets pas que ça attirera pas les moustiques, hein, parce que si vous mettez de l'eau, je vous conseille plutôt de mettre de la bière en fait, ou du vin blanc, parce que si vous mettez de l'eau, vous allez avoir tous les moustiques, en plus comme elle est stagnante, vous allez avoir tous les moustiques qui vont venir, c'est pas génial. Bon, donc voilà. Après, on va utiliser le scotch pour pas se couper sur les bords. Aïe! Voilà. Donc. Je vous pose là. Scotch! Dans la description, je vous mettrai... tout ce dont vous aurez besoin. Ok. Ouais, comme ça. Bon, juste il faut pas que vous passiez le scotch sur la ficelle. Voilà, il faut pas que vous passiez le scotch sur la ficelle parce que sinon après vous pourrez plus régler votre ficelle, elle sera scotchée, vous allez tirer comme un gueudin et ça va vous arracher tout le pot. Enfin, tout votre truc. Voilà. Comme ça. Donc voilà, là j'ai fait un côté, je vais faire en sorte que ça dure pas trop longtemps, moins de 10 minutes. Voilà, donc. Ouais, pas obligé de prendre du scotch costaud, hein. Voilà. Voilà. Bon, je vous montre comme ça. En gros, ça ressemble à ça. Voilà. Bon. Ce que j'ai fait avec le scotch, c'est vraiment pourri. Donc, je vais
Ça fait un peu bonbon, mais comme ça vous ne vous coupez pas, vous pouvez y aller. Voilà, vous pouvez pas vous couper. Vous avez une ficelle, il vous suffit à mettre de l'eau sucrée. Voilà, ça va rentrer et ça ne pourra plus ressortir. Et au bout d'un moment, ça se noiera, normalement. Ouais. Bon, si vous avez une bouteille Vittel, c'est pas mal parce qu'elles sont démarquées avec les espèces de stries, là. Donc voilà, et remplissez pas jusqu'au goulot parce que sinon, pour eux, ça va être trop facile. En fait, elles seront dans l'eau, donc elles seront presque dehors. Donc remplissez un tout petit peu moins, comme ça elles pourront bien se noyer. Et ce sera normalement parfait. Voilà. C'était Alexa et Queen. Et abonnez-vous, lâchez un like. Mettez des commentaires sur des bricolages que vous aimeriez que je fasse. Ou des trucs comme ça. Bon, ne demandez pas des trucs trop non plus impossibles. Hein. Là, on est en loc. Parce que voilà, pour des affaires perso. Donc, on est en location. J'ai un marteau, un ciseau, du scotch et une ficelle. Donc. Voilà, ne me demandez pas des trucs impossibles. Après cet été, été 2018, vous pourrez me demander des trucs un peu plus complexes parce que je serai à ma maison, donc j'aurai beaucoup plus de matos. Donc voilà. Allez, ciao !